On désolidarise ça. On l'étaye et après on le rebroche. Par contre, là-bas, vous entaillez la pierre de façon à en saboter, si vous voulez, la boue du chevron. Nous avons mis sous surveillance les combles de l'aile du noix. Nous les avons instrumentés pendant 6 ans. Et en 6 ans, la charpente s'est écartée à ses appuis de 2,5 cm, ce qui est considérable. Ce qui veut dire qu'il fallait stopper, d'une part, pour que des petits désordres supplémentaires ne se manifestent pas et n'affaiblissent pas encore plus la charpente. Et à long terme, à l'horizon de 10 ans, 20 ans, on aurait pu avoir un effondrement brutal, parce que les monuments, les édifices nous pardonnent beaucoup, et puis quand ils ne nous pardonnent plus, ils tombent du jour au lendemain. Actuellement, ce sont des travaux de stabilisation de la charpente de l'aile du Noix, qui est l'aile la plus ancienne du château, qui a une charpente extrêmement importante, mais qui s'est affaissée partiellement parce qu'au début du XVIIIe siècle, la ville a brûlé en 1723 et les Luynes qui possédaient le château ont abrité tout ce qu'ils ont pu de la population dans les combles. Et alors il y a eu une surcharge terrible des solives de la poutraison qui s'est affaissée, qui a été consolidée de leur temps, qui a été ensuite consolidée au début du XXe siècle, quand l'État a racheté le château, mais on a des désordres qui continuent à s'accentuer parce que les assemblages de charpentes avaient été affaiblis, les tenons avaient été chassés des mortaises, enfin des bois s'étaient totalement désassemblés. On s'est retrouvé avec deux gigantesques poutres qui se sont franchement fracturées, qui ont été consolidés tant bien que mal le temps de faire les études techniques et de mettre en place les financements. Et maintenant, les travaux qui se font, ce sont des travaux, je dirais, de cristallisation de ces désordres, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à redresser la charpente, à la remettre dans son état du XVe siècle, on cherche seulement à stopper les désordres sans essayer de redresser la charpente, ce qui ne se verrait de toute façon pas. Même à un œil exercé, quand on regarde le château de là où on est par exemple, on ne peut absolument pas voir ce genre de désordre. Ce qu'on veut seulement, c'est les stopper de façon à ce qu'on n'ait pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, un effondrement majeur qui entraîne peu ou prou une perte du château. Et même si on le reconstruisait, on aurait perdu à ce moment-là de son authenticité. La charpente avançait de plus de 8 cm. Nous, on a déposé tout le mur, on a reposé le mur de façon à la repousser de 8 cm. Donc maintenant, il nous faut 8 cm de place qu'on a perdu et qu'on va retrouver en débitant un peu la pierre. Et là, on va le reposer, on va venir se caler au ras du bois. Et...
Bah là, on est obligé de retailler pratiquement tout le chapeau. Une dizaine de pierres. Ouais, à peu près. On a 10 pierres à reculer parce qu'on est rentré de 8. C'est tout à fait ça. On ne s'est pas trompé. On va bientôt avoir une médaille. Ce sont des gens d'expérience qui ont une formation, quelle que soit leur technicité, qui ont une formation traditionnelle, qui connaissent très bien les monuments. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont capables, évidemment, d'intervenir sur un édifice comme celui-là, mais nous avons énormément d'entreprises qui savent travailler sur les monuments anciens, je dirais sur le patrimoine traditionnel au sens large du mot, si vous voulez, parce que vous avez les monuments historiques, il y en a à peu près 14 000 en France. Enfin, le patrimoine ancien en France, il est infiniment plus répandu, puisque les trois quarts des maisons des centres-villes sont des maisons anciennes. Donc ces gens travaillent pour des particuliers depuis tout le temps à refaire des charpentes, des toitures, des enduits, la plâtrerie, tout ce que vous voulez. Ces métiers ne sont pas perdus, et je dirais qu'en plus, on a énormément de très jeunes gens qui travaillent sur nos monuments. Donc le savoir-faire, on n'a aucun problème. Nous utilisons les technologies les plus contemporaines, très souvent venant des avancées technologiques militaires, en particulier pour l'aviation, qui nous servent à faire des restaurations totalement invisibles en utilisant des matériaux extrêmement contemporains. Ce que nous faisons actuellement à Châteaudun, puisque les résines que nous utilisons sont un produit totalement actuel qui n'existait pas il y a seulement 40 ans. Hein, ainsi que les barres de fibres de verre, de fibres de carbone, et tous les matériaux et le béton qu'évidemment on utilise depuis que le béton existe. Une partie de notre travail est d'anticiper aussi ce qui peut se passer, puisque les monuments, nous sommes censés les faire durer pour de nombreuses générations.